Ben bonsoir! J'étais nerveux, Moses! Non, mais c'est énervant, c'est rare que je joue en piano comme ça devant du public. Puis j'étais nerveux parce qu'en plus, c'est des pièces musicales qui sont très porteuses d'émotions. La première partie, c'est une pièce d'André Gagnon qui s'appelle « Le pianiste envolé » qui a été composée pour son bon ami pianiste qui est décédé, qui s'appelait Michel Berger, qui a travaillé sur Starmania, qui a travaillé sur plein de grandes pièces et concerts. Et André Gagnon a composé cette pièce-là en pleine nuit, un soir, il s'est réveillé. Il lui a rendu cet hommage-là. Puis la deuxième partie, c'est une de mes compositions que j'avais écrite en hommage à ma mère, qui aussi est décédée. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé le numéro « Les envolés ». Parce que la pièce d'André Gagnon, c'est « Le pianiste envolé ». Et la pièce de ma mère, bien évidemment, avec le même thème « Envolé ». Donc, merci de me donner l'occasion de vous offrir ce cadeau-là, mais de m'offrir aussi un cadeau avec deux beaux danseurs. Mon ami Carl Medeiros, avec qui je suis allé au Pérou dans l'aventure Trisomie 21 Défi Pérou, et la chorégraphe qui nous a improvisé un beau morceau de danse, Marianne Brunet, qu'on applaudit chaleureusement. Alors ce soir, bien, je me présente, Jean-Marie Lapointe, animateur de cette 9e édition du Gala Reconnaissance Laval Visage d'Or. C'est une initiative qui relève de l'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées de Laval, communément appelée l'ARL. Et on aimerait souligner la présence de 6 conseillers municipaux ainsi qu'un enfant en forme, tout en voix. Alors, on a la présence de M. Rénal Adam, conseiller municipal de Renault et membre du comité exécutif. On a M. Pierre Antian, conseiller municipal de Laval-des-Rapides. M. Nicolas Borne, conseiller municipal de Laval-les-Îles. M. Paolo Galati, conseiller municipal de Saint-Vincent-de-Paul et représentant du maire ce soir. M. Jean Coupal, conseiller municipal de Souvenir-la-Belle. Et M. Daniel Hébert, conseiller municipal de Marigot. Alors, c'est vraiment la première fois qu'on a autant d'élus en même temps à une représentation du gala. Puis on est très fiers. Donc, l'année prochaine, on vous réinvite pour notre 10e édition du gala Visage d'Or. On aimerait aussi souligner la présence de l'attaché politique de M. Angelo Iacono, député fédéral d'Alfred Pellan, Mme Roxane Saint-Just, ainsi que Mme Anna Maria Vomaro, adjointe de circonscription. Alors, la soirée de gala a aussi pour objectif et surtout de mettre en lumière des initiatives locales qui améliorent la qualité de vie des personnes handicapées et ainsi que leur participation citoyenne. Il s'agit d'un moment spécial conçu pour remercier ceux et celles qui considèrent que la participation sociale des personnes qui ont un handicap n'est pas un luxe ni une faveur, mais c'est un droit. Et parmi nos lauréats, nous allons mettre en lumière des gens d'exception. En effet, l'ARL remet dans chaque catégorie loisirs, éducation et travail, des prix méritants à des personnes qui vivent avec un handicap et qui ont su se démarquer à travers leur parcours inspirant. Et l'ARL remet aussi des récompenses, des prix reconnaissance à des organismes et des entreprises qui se sont illustrés par la mise en place d'actions concrètes durant la dernière année qui ont mené à la participation sociale des personnes handicapées et à leur intégration. Alors, et bien sûr, c'est sûr qu'il va y avoir de la fébrilité dans l'air. Je reconnais quelques visages dans la salle. Il y a des gens qui vont monter sur scène et recevoir des prix. Mais écoutez, sachez que peu importe le dénouement, que vous soyez récipiendaire en nomination ou gagnant, ici, vous êtes tous des gagnants et des gagnantes. Alors, on vous applaudit, vous vous applaudissez et merci d'être ici ce soir. Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on invite et qu'on applaudisse la vice-présidente de l'Association régionale, Martine Labelle. Elle va vous adresser quelques mots. Merci, Jean-Marie. Il n'y a pas juste Jean-Marie là, qui est nerveux, moi aussi. Je n'ai pas l'habitude d'être ici comme ça devant vous tous. Oui. Respectez-vous. Merci. Alors, distingués invités et surtout chers nominés, c'est un privilège pour moi, au nom du conseil d'administration de l'ARL, de vous souhaiter la bienvenue à la 9e édition du Gala Reconnaissance Laval Visage d'Or. Permettez-moi de nommer l'ensemble des membres du conseil d'administration, alors Rachid Ababou qui en est le président, Nadia Chacour, la secrétaire, Tony Condello, trésorier, et les administrateurs Louis Charbonneau, Michel Moreau, vous me perdez hein, quand je baisse la tête, Gary Tobin et Éric Acco. Une bien belle équipe.
Vous n'êtes pas sans savoir que cette année fut une année d'incertitude et de bouleversement pour plusieurs organismes communautaires et l'organisation du gala n'y a pas échappé. Cependant, je tiens à souligner la détermination des membres du comité organisateur pour qui la tenue de cet événement annuel demeure un incontournable. D'ailleurs, je tiens à vous les nommer, Louise Langevin, directrice régionale, et Grégory Tchoujobanov, alors agent de développement à l'ARL, Francine Timmons de la Maison de ballet Théâtre Reflet et metteur en scène de ce soir, Caroline Boivin, représentante de la Ville de Laval, et moi-même. C'est vraiment avec tout notre cœur et nos convictions les plus profondes et inébranlables que nous avons orchestré le spectacle de ce soir. Reconnaître une fois dans l'année les efforts, les bons coups de citoyens qui se démarquent, qui sont des modèles inspirants pour nous tous, vous conviendrez avec moi que c'est nécessaire. En plus, cette soirée fait du bien à tout le monde, vous le constaterez de toute façon par vous-même. Nous demeurons convaincus que Laval regorge de gens remarquables par leur implication à favoriser la participation sociale des personnes handicapées et que Laval regorge aussi de personnes vivant des situations de handicap qui ont des parcours exceptionnels que nous devons connaître et mettre en valeur. D'ailleurs, je tiens aussi à remercier les proposeurs, ceux qui ont pris le temps de rédiger les textes pour présenter les candidatures. En fait, sans vous, le gala n'existerait tout simplement pas. Merci de nous faire découvrir ces histoires de vie remarquables. Alors, à vos crayons, tout le monde, pensez déjà à des personnes que vous pourriez présenter afin de souligner en grand la 10e édition du gala l'année prochaine. On compte sur vous. Alors, d'ici là, je vous souhaite une très belle soirée. Bon, bravo, Martine. Ah! Ben là, je reconnais quand même quelques faces. J'ai vu Soukaina qui est là, qui est en nomination. Valérie, Raph, le beau Raph qui est tout propre, tout rasé. Excellent, c'est le fun. Là, je dis ça juste vite demain, mais vous allez les voir tantôt. Alors, on poursuit. Bien évidemment, parce que ça se peut qu'on annonce vos noms, ça se peut que vous montiez sur scène puis vous ne savez plus trop quoi faire, comment ça fonctionne, c'est assez simple. Quand vous venez chercher votre prix, vous allez passer par le côté droit de la scène, donc à ma gauche, à votre droite. On va prendre une photo au centre et vous allez pouvoir sortir de la scène accompagné d'une hôtesse par la coulisse. Et de la coulisse, on va vous réaccompagner à votre siège. Et les deux hôtesses ce soir, nous avons Marie-Ève Mathieu-Temmens et Maria Katsaranis qui vont être ici avec vous. Et aussi comme acolytes, nous avons des interprètes en langue des signes qui sont ici à ma gauche, donc à votre droite. On les applaudit. Et quand on applaudit, c'est comme ça. Hein, vous vous souvenez? Merci d'être là. Je pense que j'ai vos noms. J'ai Simon Labrec et Lynn Ouellette. Merci d'être avec nous ce soir pour signer. Ouais, c'est très généreux, très gentil. Et aussi, on a en plus une première. J'aimerais ça que c'est une première mondiale parce que je me sens big, mais c'est une première qui est à la fine pointe de la technologie. C'est un amplificateur de son qui est relié à un iPod ou un téléphone intelligent et qui, évidemment, amplifie le son. Et moi, j'ai quelqu'un qui est en nomination dans une catégorie, Mathieu Coury. Où est Mathieu? Il est avec nous. Mathieu est là. Je pense que tu l'utilises, l'amplificateur. Ça fonctionne-tu bien? 10 sur 10? Excellent. Donc, si je dis des niaiseries, t'entends tout, hein? Il dit ouais. Ouais. Je te check. OK. Excellent. Parfait. Alors, sans plus tarder, on y va tout de suite avec la première remise de prix. On accueille M. Rénal Adam, conseiller municipal de Renault et membre du comité exécutif, et M. Paolo Galati, qui est conseiller municipal Saint-Vincent-de-Paul, qui vont venir remettre des prix dans la catégorie loisirs. Bonsoir, mesdames et messieurs. Il nous fait extrêmement plaisir d'être ici ce soir. Félicitations à tous les nominés ce soir. Donc, allons-y sans plus tarder. Dans la catégorie loisirs, prix reconnaissance, les finalistes sont Théâtre Harpagon. Alors, le Théâtre Harpagon est une compagnie de théâtre qui a offert des ateliers d'improvisation et de théâtre social aux personnes handicapées, favorisant ainsi l'inclusion. L'autre finaliste est l'Association régionale de baseball amateur de Laval Incorporée.
Et l'association a permis aux enfants en situation de handicap de 7 à 18 ans de jouer grâce à l'implantation du programme Challenger Baseball Canada. Et le gagnant est? Oh. C'est secret. Théâtre à Paragon. À Paragon. Alors, dès le départ, le théâtre Harpagon a démontré une grande ouverture et a proposé des ateliers d'improvisation de théâtre social adapté aux personnes en situation de handicap. Il a donné la possibilité aux personnes handicapées d'être actrices de l'activité culturelle. Il a construit des partenariats entre la culture et le milieu social dans un but d'intérêt public. Il a utilisé l'art et la culture comme outil de sensibilisation et d'inclusion sociale des personnes handicapées. Il a favorisé la mixité et le vivre ensemble de personnes sans handicap avec des personnes avec handicap. On les applaudit, le théâtre Harpagon. Ben, merci beaucoup, tout le monde. Premièrement, j'ai rien préparé. Je ne m'attendais pas à gagner dans cette catégorie-là. Mais enfin, ben, ça fait très, 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 très plaisir. Il y a des gens que je veux absolument remercier parce que c'est un projet qui n'aurait pas existé sans l'appui financier de la Conférence régionale des élus, malheureusement défunte, mais qui a quand même été l'apport financier pour la réalisation du projet. Le ROP aussi, le regroupement des organismes de personnes handicapées de Laval. Il y a l'OPHQ, pardon. Et au ROP, je voudrais particulièrement souligner le travail de José Mascotte et de Mathieu Dénéchaud. Et surtout, moi, ce que je voudrais dire, c'est je voulais que les participants des ateliers viennent sur scène parce que cet atelier-là, qui se voulait un atelier inclusif, qui était fait d'une mixité de personnes qui avaient des limitations et d'autres qui n'en avaient pas, ça n'aurait été pas possible sans la participation généreuse et enthousiaste de ces participants. Alors, je veux qu'on les applaudisse. Mariette, Sonia et Pierre-Olivier. Bien sûr, c'était pas les seuls participants, mais en tout cas, c'est ceux qui ont pu venir ce soir, et j'en suis très fier. L'autre chose que je voulais dire aussi, que pour l'organisme, le Théâtre Harpagon, ça a été un privilège de pouvoir donner ces ateliers-là. Et moi, ça a confirmé une intuition, en fait, que le théâtre m'a aidé ou nous a aidé à confirmer, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses, dans le fond, qui nous sont communes que des choses qui nous différencient. Et ça, le théâtre, dans le fond, ça rejoint la même place chez tout le monde. Pour moi, ça rejoint ici le cœur, et c'est des gens de cœur. Alors, je voudrais qu'on les applaudisse. Je fais ça long, mais je suis un gars de théâtre, alors j'aime ça parler. Je sais que Sonia voulait venir dire un petit mot, alors Sonia, viens dire un petit mot. Ben, je suis un petit peu nerveuse. Merci beaucoup. J'aime beaucoup faire de l'improvisation, surtout pour sensibiliser les personnes handicapées, différents handicaps. Et j'espère continuer longtemps avec le groupe du théâtre Harpagon. Merci. Bravo. On applaudit le théâtre Harpagon. Alors, monsieur Adam ou monsieur Paolo, poursuit avec. Dans la catégorie loisirs, prix méritant, les finalistes sont Alexandre Jaudoin. Alexandre pratique la danse avec la maison de ballet Théâtre Reflet depuis plus de 15 ans. Il a participé à tous les spectacles, il a même fait des solos à quelques occasions. Il démontre un bel et grand intérêt dans ses cours auxquels il assiste avec assiduité.
Raphaël Lefebvre Aubry. Ben Raph, Raphaël qui est ici, lève-toi Raph, qu'on te regarde un petit peu puis qu'on t'applaudisse, ben ouais. Ben Raphaël pratique le judo au club Judo Ben depuis 4 ans. Il est affilié à la Fédération de judo Québec et en 2015, il a participé au tournoi régional de Laval et il a décroché une médaille de bronze. Bravo Raphaël. Félicitations. Valérie Gagnon. Ben là, faut que tu te lèves aussi, Valérie, là. Bon. Valérie, c'est mon amie au défi sportif qui gagne des tonnes de médailles en natation à chaque année, mais elle ne fait pas juste nager. C'est quelqu'un qui a fait un cours de perfectionnement pour améliorer sa santé puis son cardio, sa forme au Zumba. Elle a fait du Zumba dans une énergie cardio, justement pour l'aider à performer en natation. Elle était la seule participante à avoir une différence. Alors, pour arriver à suivre le groupe, bien, Valérie a dû surmonter plusieurs obstacles liés à la mémoire chorégraphique et à la coordination. Bravo, ma belle Valérie. Je suis fier de toi. Et le gagnant ou la gagnante est... Alexandre Jaudoin. Bien, cherchez-le pas dans la salle, il est dans les coulisses parce qu'Alexandre va faire un numéro plus tard. Alexandre fait preuve d'une grande détermination à apprendre et à s'améliorer. Nous sommes persuadés que la danse l'a grandement aidé à surmonter les obstacles liés à la rythmique, la coordination et à la mémoire. Il est accueillant, il s'intègre bien aux participants, il est ouvert aux critiques constructives et surtout aux commentaires de ses compagnes et compagnons de danse. Il démontre un bel et grand intérêt dans ses cours auxquels il assiste avec assiduité. On applaudit Alexandre. Bravo, mon beau. C'est beau de voir des émotions. Bien, ça fait plaisir. Merci, hein, M. Adam, M. Paolo. Merci beaucoup. Puis félicitations aux nominés, hein, à Valérie et à Raphaël. On va poursuivre en musique et en danse avec l'ensemble folklorique Les Pieds Légers de Laval. Fidèles à eux-mêmes par leur vocation, l'ensemble folklorique Les Pieds Légers de Laval nous invite souvent à voyager avec eux. Le prochain numéro, bien, va nous le démontrer par à peu près parce qu'il nous amène en Russie.
Bravo! C'était l'ensemble folklorique Les Pieds Légers de Laval. Avec Alexandre, notre gagnant en plus. Hey, il l'attendait pas, celle-là, là. C'est bon. En état de choc, pauvre petit. Pour la présentation des prix éducation, j'invite Mme Louise Lortie, présidente de la Commission scolaire de Laval, à venir me rejoindre sur scène. Alors, je veux déjà faire plaisir à M. Lapointe parce qu'il y avait un conseiller municipal de plus que vous n'avez pas nommé, M. Trottier. Merci d'être ici. Ah, merci. Alors, bien, ne vous inquiétez pas, c'est ça. Alors, qui de mieux que moi, dans le fond, parce que je suis vraiment contente d'être ici ce soir pour présenter les prix en éducation. C'est ce qui me motive à tous les jours de travailler à la Commission scolaire de Laval. Donc, les finalistes sont dans le prix, dans la catégorie éducation, prix reconnaissance, le Centre horticole de Laval pour son programme d'aide en milieu horticole. Le Centre de formation horticole de Laval offre depuis 2012 5 programmes de formation professionnelle à des jeunes adultes qui présentent des besoins particuliers, dont un service de formation d'aide en milieu horticole. Je ne sais pas comment ils vont faire ça en signe. Nawel Koudjil, du Centre de la petite enfance Le Hêtre. Dans son milieu de garde, Mme Goudjil accueille une jeune fille qui a un handicap sur le plan moteur. Mme Goudjil a démontré une grande ouverture à intégrer l'enfant en réaménageant la garderie de manière à faciliter les déplacements, de sorte à lui offrir un environnement sécurisant, stimulant et propice aux échanges avec les autres enfants. Mme Diana Tamayo, Centre de la petite enfance Le Hêtre. Dans son milieu de garde, Mme Tamayo accueille un jeune garçon qui a un handicap physique et physiologique qui limite son fonctionnement au quotidien. La grande implication de Mme Tamayo auprès des enfants et son intérêt pour trouver des façons de faire novatrices et créatives ont facilité l'intégration du jeune garçon. Et finalement, non le moindre, Sonia Kellil, du Centre de la petite enfance Le Hêtre. Dans son milieu de garde, Mme Kellil accueille un jeune garçon qui a un handicap au niveau langagier qui limite ses interactions avec ses pairs. Elle a mis en place des activités de stimulation de langage. Il y a un aspect d'intégration important dans le groupe. L'enfant se sent accepté et participe à diverses activités d'apprentissage avec ses amis. Et le gagnant, ou peut-être la gagnante, le Centre horticole de Laval pour son programme d'aide en milieu horticole. Tout au long de leur parcours de 29 semaines, les élèves ont alterné entre les apprentissages d'ordre académique et pratique, donc entre l'école et le milieu de travail, par le biais d'un stage. Pour qu'un projet voie le jour, il faut avant tout qu'un amalgame de personnes bien intentionnées et visionnaires rassemble leurs forces et poursuive le même rêve. C'est exactement ce qui s'est produit avec la formation d'aide en milieu horticole. L'établissement a pu compter sur la participation et sur la précieuse collaboration de plusieurs partenaires. Alors, écoutez, je suis honorée, je représente le Centre horticole. Monsieur Desjardins, le directeur, ne pouvait pas être là ce soir. Mais ce qu'on veut remercier d'abord et avant tout, c'est nos élèves qui nous ont fait confiance puis qui ont fait un parcours. On est à notre 4e cohorte et qui, à chaque année, nous impressionnent par leur volonté d'intégrer le marché du travail. Alors, bravo à nos élèves. Alors,
Alors, on félicite le gagnant et la gagnante, en fait, le centre horticole. Et on tient à souligner la contribution du CPE Le Hêtre pour les mises en nomination fort intéressantes qu'ils ont déposées. Et on poursuit avec le prix Méritas cette fois. Alors, les finalistes sont Lucilla Esther Peralta Pérez. Madame Pérez a choisi de s'inscrire dans la formation de préposés aux bénéficiaires. Elle a dû relever un double défi de par sa surdité et l'apprentissage d'une nouvelle langue. Madame Pérez a pu réussir sa formation grâce à l'encadrement et à l'accompagnement de différents partenaires. Alors, Mayouan Blanchard. Madame Blanchard est en quête de réaliser son rêve ultime tout au long de son parcours scolaire au Centre de formation Compétences 2000. Mayouan a reçu le soutien de mesures adaptatives et d'outils spécialisés. La jeune femme reconnaît que le soutien et les encouragements de sa famille l'ont grandement aidé à alimenter sa persévérance et sa motivation scolaire malgré sa différence. Il y a 5 personnes mises en nomination. Alors, Mathieu Coury. Mathieu Coury est étudiant à l'école secondaire Saint-Martin. Après être allé au primaire en adaptation scolaire, il a intégré la première secondaire au secteur régulier. Malgré son handicap auditif et sa dyslexie, Mathieu est bien intégré à son groupe et progresse considérablement dans ses apprentissages. Il est un des meilleurs élèves de la cohorte de la première secondaire. Simon Vona Doané. Simon est étudiant au Centre de formation professionnelle Le Chantier dans le programme Briquetage-Maçonnerie. Il doit composer avec des difficultés particulières qui se répercutent, entre autres, sur le volet communication. Son appréhension du monde, la perception qu'il en a et les habiletés sociales dont il doit faire preuve dans le type de société représentent pour lui un défi à tous les jours. Il est présentement en voie de réussir son diplôme d'études professionnelles. Bravo, Simon. Et la dernière personne, Jamaluddine Gaïbi. Alors, Jamaluddine Gaïbi a effectué un parcours d'intégration socio-professionnelle au Centre d'éducation des adultes L'Impulsion. Bien qu'il soit issu d'un pays où il y a la guerre et qu'il ait subi des traumatismes et qu'il soit amputé d'une jambe depuis son jeune âge, M. Gaïbi a réussi brillamment son parcours d'intégration socio-professionnelle en suivant une formation qui l'a mené à l'obtention d'un certificat. Il a toujours refusé catégoriquement d'être considéré inapte au travail. Alors, avant de nommer notre gagnant ou notre gagnante, j'aimerais qu'on se lève, ceux qui sont en nomination. Allez-y, qu'on vous applaudisse, qu'on vous identifie. Alors, merci à ces 5 personnes-là. Évidemment, vous êtes une inspiration pour la commission scolaire de Laval. Merci aussi aux personnes qui ont pris le temps de porter, dans le fond, leur candidature et de remplir les papiers qu'il faut. Et donc, la personne méritante, Lucilla Esther Peralta Pérez. Alors, originaire du Pérou, Lucilla Esther Peralta Pérez a choisi de s'inscrire dans la formation de préposé aux bénéficiaires car ce programme lui permettait de vivre sa passion, celle d'aider les gens. Madame Pérez a pu réussir sa formation grâce à l'encadrement et à l'accompagnement effectué par la direction, les enseignements du programme de santé du Centre et de formation compétences 2000 et les intervenants psychosociaux du Centre et les intervenants de l'Institut Raymond Devoir.
Comme elle le dit si bien, il n'y a pas de difficulté insurmontable car on finit toujours par trouver une solution, un moyen ou un outil adapté à notre réalité. Petite pause artistique. Après la Troïka et la Russie, cette fois, on revient au Québec, plus précisément dans le camp de bûcheron du Grand Cipier. La légende dit que, dans un temps froid d'hiver, nos bûcherons s'ennuyaient de leurs femmes. Peut-être engourdis par l'alcool, ils avaient fait un pacte avec le diable pour aller retrouver leur bien-aimé pour que l'hiver soit moins long. Est-ce que c'est vrai? On le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que l'ensemble Les Pieds Légers de Laval nous présente ce soir le Grand Cipier. Par la suite, les élèves de l'École Gadebois, sous la direction de Julie Jaudoin, vont nous faire revivre la fameuse légende de la chasse-galerie. Et pour les femmes, il trimait comme un duchesne. Et puis samedi soir, il allait veiller avec les femmes. Un Québécois comme il n'y en a plus, un grand cipier poilu en plus, fier de son âme. Je suis de nationalité québécoise, française. De mes deux pieds dans la terre. Et voulez-vous pas m'embêter avec vos mesures en épinette. Je suis de nationalité québécoise, française, et ces billons, je les ai coupés à la sueur de mes deux pieds dans la terre glaise. Et voulez-vous pas m'embêter avec vos mesures en anglaise?
serillon, je les ai coupés à la sueur de mes deux pieds dans la terre glaise. Et voulez-vous pas m'embêter avec vos mesures à l'anglaise? Je suis de nationalité québécoise, française. Les serillons, je les ai coupés à la sueur de mes deux pieds. Dans une entreprise, trois femmes et un homme travaillent à leur ordinateur. À l'extérieur, un autre homme nerveux ajuste son veston et se pratique à saluer avant d'entrer. Il sourit à chacun en disant « allô » et salue de la main, mais personne ne l'entend ni ne le regarde. Après s'être assis à son poste, il est surpris de constater que les personnes communiquent entre elles en langue des signes. Leur discussion silencieuse semble animée et joyeuse. Deux femmes se tournent vers le nouveau venu et l'une lui parle en signe. Il leur sourit et lève le pouce pour faire croire qu'il comprend. La discussion en signe se poursuit. L'autre homme du groupe raconte une anecdote de sa fin de semaine qui fait éclater de rire les trois femmes. Le nouveau venu se force pour rire et faire croire qu'il comprend, mais on le sent mal à l'aise. S'adapter, ce n'est pas réservé qu'aux personnes handicapées. Pour communiquer avec une personne ayant une déficience auditive, établissez un contact visuel avec elle. Articulez pour l'aider à lire sur vos lèvres. Faites des phrases simples et courtes. Privilégiez le support visuel, vidéo ou écrit. Un message du regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées de Laval. Après la fête terminée, manque le bateau pour périr. Et
chez le grand Satan, vous irez brûler, ignorer, ignorer pour l'éternité. Le canon s'éleva jusqu'au ciel, ils furent emportés jusqu'à leur village d'enterré. Dans un corridor, un homme pressé cherche la bonne porte. Lorsqu'il la trouve, il sourit, soulagé, et reprend son souffle avant d'entrer. Il arrive devant une table de réunion où sont assis deux femmes et deux hommes. Sa place est au bout de la table, où se trouve son verre d'eau et son dossier, mais il constate qu'il n'y a pas de chaise pour lui. Chacun s'affaire et personne ne lui porte attention. Mal à l'aise, le nouveau venu fait semblant de s'asseoir et se place en équilibre pour qu'on remarque qu'il n'a pas de chaise. Il se relève et tente d'attirer l'attention. Il se penche, pose les coudes sur la table et prend à deux mains son verre d'eau pour boire. On découvre que les quatre personnes sont assises dans un fauteuil roulant. S'adapter, ce n'est pas réservé qu'aux personnes handicapées. Pour accueillir une personne ayant une déficience motrice, offrez votre aide sans l'imposer. Soyez attentif au déplacement de la personne. Dégagez les aires de circulation en tout temps. Un message du regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées de Laval. Ah. Alors, vous avez vu, les pubs étaient en vidéo description. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas la vidéo description, c'est comme un narrateur qui décrit ce qu'une personne non-voyante manque de l'action. Et ces pubs-là existent aussi en version sans vidéo description. Et tout juste avant, vous avez eu les élèves de l'école Gadebois, mais peut-être que vous ne le savez pas, mais la plupart de ces élèves sont soit sourds, malentendants ou ont une problématique d'ouïe, donc ils vivent avec une surdité. Donc, c'est impressionnant de savoir qu'ils font de la chorégraphie sur de la musique qui peut-être n'entendent pas vraiment. Alors, hein, bravo l'école Gadebois, bravo nos jeunes, les intervenants. Et pour les pubs que vous venez de voir, on peut aussi les voir sur le site Internet d'Europe, en passant. Alors, dans le prochain numéro, les danseurs de la maison de ballet Théâtre Reflet ont un rendez-vous. Oui, bon, on ne sait pas avec qui, on ne sait pas à quelle heure, on ne sait pas à quel endroit, mais on sait qu'ils en ont un. C'est peut-être un rendez-vous par hasard, on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que c'est Francine Timmins qui a fait la chorégraphie. Et dans un premier temps, les élèves en jazz moderne et suivis de la classe des rayons de soleil de la maison de ballet Théâtre Reflet. En tout cas, chose certaine, eux autres, ils sont au rendez-vous, on les regarde.
J'ai rendez-vous, c'est bientôt l'heure. Je n'ai rien, même pas de fleurs. Alors je viens comme je suis, comme on est de la dernière pluie. Sur mon chemin, je vois défiler mon enfant seul à crever. Je l'entends rire dans le vent. Et moi je cours toujours pour attraper le temps. Car j'ai rendez-vous avec moi, faut que j'arrive à l'heure. Mes mains tremblent, je crois que j'ai juste un peu peur. Mais je me reconnais, ça fait longtemps, 1000 ans peut-être. Je ne vais pas m'endimancher. À quoi bon impressionner? Sûrement pas baisser les yeux, juste éclaircir ma voix. Let's go.
nos quatre danseurs de la Maison de ballet Théâtre Reflet. Bravo, la gang. Maison. Non. J'inviterai maintenant Mme Caroline Boivin, coordonnatrice à la Division du développement social à la Ville de Laval, à représenter les prix dans la catégorie « Travail ». Bonsoir, bonsoir à tous. Il me fait plaisir d'être avec vous ce soir là, pour remettre les prix dans la catégorie « Travail ». Alors, dans la catégorie « Travail », le prix « Reconnaissance » est décerné à la pharmacie Jean Coutu. La pharmacie Jean Coutu, située au 610 boulevard Curé-Labelle à Chaumédé et gérée par Mme Guylaine Ouellette, contribue à l'intégration et à la participation sociale des personnes qui ont un handicap. Cette ouverture a permis à une employée de réaliser un de ses plus grands rêves, celui d'obtenir un emploi à la pharmacie et de recevoir un vrai salaire. En acceptant de lui offrir ce travail, l'entreprise bénéficie d'une excellente employée. Sa présence influence positivement ses collègues et ses collègues de travail contribuent à modifier la perception des clients face à la différence. Pharmacie? On a-tu une représentante de la pharmacie? Ben, c'est beau, ça! Est-ce que vous êtes Mme Guylaine Ouellette? Vous n'étiez pas en nomination, vous gagnez. Félicitations. Je vais dire un petit mot. Un gros merci à Sokaina pour sa belle performance qu'elle fait à la pharmacie Jean Coutu depuis 4 ans. Surtout, son dévouement au travail, sa joie de vivre, elle nous met la bonne humeur toujours quand elle est à la pharmacie avec nous. Lâche pas, ma belle Sokaina, on est tous très, très fiers de toi. Madame Ouellette, elle me dit « Oui, mais j'avais rien préparé. » Bien, on ne peut pas vous dire que vous alliez gagner. Tu sais, ça se dit pas, ça. Faut garder une surprise. Donc, toujours dans la catégorie travail, le prix Méritas, je ne sais pas si je devrais le clarifier, mais le seul et unique prix Méritas, la gagnante est Sukaina Oumami. La belle Sukaina Oumami travaille à la pharmacie Jean Coutu depuis officiellement 2012 à raison de 15 heures par semaine. Elle a fait plusieurs stages dans différentes entreprises, au McDo, Dollarama, au Winners. Enfin, elle a fait un stage à la pharmacie et après 2 ans, son stage s'est transformé en emploi. Pour obtenir cet emploi, elle a dû faire plusieurs apprentissages pour développer des bonnes habitudes de travail et des habiletés interpersonnelles pour répondre aux clients et bien les diriger. Sukaina dégage une belle énergie au travail, ce qui influence souvent positivement les autres, pour qui elle est d'ailleurs un modèle de courage et de détermination. C'est mon ami au défi sportif! Tu veux dire un mot? Je veux dire un mot. Vas-y, tu veux dire un mot? Veux-tu le dire? Si je suis rendu là, c'est grâce à mon éducateur, Thierry. Thierry, est-ce que tu peux venir en avant, s'il vous plaît? On va prendre une photo avec Thierry. Non? On va prendre une photo avec toi? Bon. Ça, c'était pas prévu, mon beau Thierry, hein? Tu te serais habillé autrement, hein? Non, c'est pas vrai, c'est John. Il est tout propre, il est tout propre. OK, deux minutes. Tant qu'elle est ici, Thierry, en quoi Sukaina? Et Sukaina est vraiment exceptionnelle. Dis-moi qu'est-ce qu'elle a de différent. Ah oui, vas-y, viens-t'en. Viens faire ton cue. Ben, Sukaina est exceptionnelle par sa personnalité, premièrement, et par comment elle veut apprendre tout le temps. Elle veut qu'on lui montre toutes sortes de choses et elle apprend bien, elle apprend vite et même quand elle persévère dans tous ses apprentissages. Et, ça
Ça fait une personne exceptionnelle, vraiment. Là. Et je veux faire une petite anecdote, c'est que quand je l'ai connue, elle avait 12 ans. Et elle venait à la danse. Et quand elle a eu des services de chez nous, elle a appelé directement à la directrice générale pour lui demander de m'avoir un éducateur. Hein? Oui. Ah. Elle était vraiment déterminée. Wow. Ouais, ouais, ouais. Mais bravo, c'était une grande invitation. Merci. De l'autre côté. C'est Kaina, de l'autre côté. Hey, vous êtes délinquant, là. Vous êtes supposé de partir de l'autre bord. Ah, la marde. C'est Sukaina. C'est Sukaina. Elle fait à sa tête. C'est correct. Regardez où est-ce que ça l'a mené. Elle a eu sa job. Bravo. Sukaina, qui est à l'école Leblanc avant, qui choisit, qui dit un beau bonjour à son ami Raph. C'est toute une petite gang qui se connaissent ici dans la salle. Écoutez, vous savez, pour préparer un gala comme ce soir, il y a des gens qui ont dû accepter de faire des choix déchirants, c'est-à-dire choisir les gagnants. Alors, avec la qualité des nominés, on peut imaginer que ça n'a pas dû être facile comme travail. Alors, on aimerait quand même les remercier chaleureusement pour leur implication et leur collaboration importante. Je vous les nomme. Il s'agit d'un de mes amis, le père de Carl Medeiros, Jean-François Martin, qui est professeur en éducation spécialisée au Cégep du Vieux-Montréal, qui était à la base de l'idée de notre voyage au Pérou avec la gang de la trisomie 21. Et il est présentement aux Açores avec des personnes qui ont un handicap. Il fait un beau voyage aussi. Il y a Lucie Gaudreau de la Ville de Laval et Mac Diani Bastien, directrice de l'Étape. Alors, à ces trois personnes qui ne pouvaient pas être ici avec nous ce soir, on les applaudit et on les remercie de leur temps bénévole pour nous. La soirée tire à sa fin. On est presque rendu à l'avant-dernier numéro. Le prochain invité, c'est un exemple de discipline. Il s'appelle Carl Cadet Hilaire. C'est un athlète, c'est un danseur, c'est un amant du rythme. C'est aussi une personne qui, dans la nuit du 9 mai 2008, bien, sa vie a basculé. Un terrible accident d'auto le laisse dans le coma durant 33 jours. Et lorsqu'il ouvre les yeux, finalement, 33 jours plus tard, il comprend que plus rien ne sera comme avant. Après de longues heures de réhabilitation, de persévérance, de courage, de passion aussi, et surtout, grandement encouragé par ses proches, il est heureux de nous présenter ce soir sa composition, le premier extrait du projet musical de Eli. How you make me
boy, you make me feel. So good, you make me feel alright. The way I feel inside, you got me so fly. Let the temperature rise. So high, so high. You make me feel so good, you make me feel alright. The way I feel inside, baby, you got me so fly. Let the temperature rise. You make me feel. How you know make that me I feel. Know how I make you feel. Let's give love a chance. Let's give love a Let's chance. Let's give love a chance. Oh, wow. I know that you know how you make me feel. You know that I know baby. How I make you feel. Let's give love a chance. Let's give love a chance. Oh, I know that you know how you make me feel. How you know make Have a chance, Eli. Hey, va-t'en pas, Eli. Eli, viens ici. Eli. Carl. Alors, viens-t'en. Là. Je sais, tu le voyais pas venir, c'était pas prévu, mais... Je m'en connais pas, mais c'est pas grave. Mais non, mais je sais, c'était clair, c'était pas prévu que tu sois là, puis que je te parle, mais en même temps, j'ai la chance de... Demain. Oh, mon coquin, t'es pas tout le temps en fauteuil, toi, hein? Pas tout le temps, mais j'ai battu, je me suis rebattu pour être comme ça. Ouais. Bravo. Ouais. Bravo. Merci. Bravo. Mm-hmm. Non, non, attends. Prends mon temps. Ouais. Prends mon temps. Yes. Ouais. Mais j'ai pas fini avec toi. OK. Évidemment, on a eu l'occasion de se parler dans la loge avant que le spectacle commence, puis c'est fou tout ce que tu peux faire maintenant. Tu donnes des conférences. Oui. Tu fais de la sensibilisation. Exactement. Tu te sers des ténèbres, de tout ce que tu as vécu, de l'épreuve, pour transformer la vie des gens. Comment tu le fais? Je raconte mon histoire de ce que j'ai passé, de tout, et comment que j'ai eu la force de pouvoir remonter tout ce que j'ai remonté. Et que, pour vous dire franchement, je n'ai pas fait ça tout seul. J'ai une famille énormément avec moi dans tout ce que je fais. J'ai ma soeur que c'est un ange venu du ciel pour moi parce que c'est ce qui fait que maintenant, ma famille ne m'a jamais lâché pour avancer et m'améliorer. Puis c'est le vouloir, il faut le vouloir. Suffit d'y croire. Moi, tout le monde, pour la plupart du monde, ben, je ne sais pas si tout le monde y croit. Mais il y a un Dieu en haut que, croyez-moi, que quand il décide de t'aider, il n'y a rien qui peut... Il y a rien... Comme, je parlais même pas avant. Là, je parle puis je chante. Imaginez. Mm. Puis c'est... Comme je vous dis, c'est... Ceux qui sont... Des parents qui ont des élèves comme moi, mais comme... plusieurs d'ici, soyez toujours là pour les demandes qu'ils vous font, et soyez là avec eux pour les encourager, donc peu importe c'est quoi, c'est bon d'avoir de pas avoir des parents, là, c'est la clé. Sans ça, ça marche pas. Mais ce que les gens savent pas, c'est que tu as une nouvelle vie. Je connaissais pas ta vie avant. Okay. Je sais pas comment tu fais le switch que tu étais danseur. Ouais. Et là, mais je sais que tu veux encore danser, il n'y a pas grand-chose. Toi, je pense qu'il ne faut pas te donner des limites parce que tu vas nous prouver qu'on a tort. Je le sais, c'est écrit dans ta face. Mais en même temps, juste demain, ce qu'il s'en va faire avec la police, c'est extraordinaire. Oui, j'ai reçu l'appel tout à l'heure qui me disait à quelle heure me rendre. Je me rends à un endroit, puis ce qu'on fait, c'est que la police, je travaille avec la police, puis la police,
arrête ceux qui font de la vitesse et au lieu de leur donner un ticket, moi, je vais lui parler. Puis, juste le fait de leur parler, ils viennent avoir conscience que, hey, lui est là, puis tout ce qu'il m'a raconté, puis moi, je suis là, puis comme... Il y en a qui le font exprès, il y en a qui le font comme... Ils sont ailleurs, puis ils conduisent, puis des fois, ils font de la vitesse, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils viennent à comprendre que faut qu'ils soient plus attentifs quand ils conduisent, puis de respecter la règle de la route. C'est ça. Puis, mais venant de toi, le message doit rentrer bien plus qu'une amende de 150$. Je pense que... C'est à toi qu'on devrait donner 150$. je leur dis ça demain, voir qu'ils vont dire. J'ai donné ton nom, je peux passer. J'ai le dos large. Alors, juste avant que tu nous quittes, on va faire une publicité. C'est ta première chanson. J'imagine qu'il y a un album. Comment on fait pour devenir fan de toi? Comment on fait pour te suivre? Vous pouvez aller sur iTunes, je pense. Moi, je ne suis pas très vite. iTunes, vous tapez... Eli, apostrophe L-Y. OK. Puis... Il y a le vidéoclip que j'ai fait, et ça, c'est un devoir, je vous donne. Écoutez-le au complet, puis vous allez comprendre pourquoi. Il y a un punch à la fin. Il y a un punch à la fin, puis il y a aussi le fait que je chante plus pour les mêmes raisons. Ah. Vous allez comprendre, quand vous allez voir le clip, vous allez comprendre, ah, OK, c'est ça. Je chante plus pour faire mon frère, OK, je suis cute. Je le sais, ça, je suis cute. Non, mais dans le sens que je le fais comme je donne un message. Mm-hmm. Pour, même comme moi, je suis handicapé, il y en a qui ne sont pas handicapés et qui sont pires que moi. Il faut les encourager à... Mon but, c'est ça, de pouvoir être là et donner ma façon de penser puis ma façon de motiver les gens. Super. Donc, je vais essayer à vous de me suivre, ceux qui veulent. Ceux qui sont capables. Ceux qui sont capables. D'accord. Merci. Eli, merci. Son vrai nom... Sur scène, c'est Eli. Sur Facebook, c'est Carl Cadet Eli. Maître, ciao, mon beau. Merci. Bravo. Félicitations. Alors, nous sommes rendus à la fin du gala. On vous invite à venir prendre un petit vin d'honneur qui va être servi dans le hall après la dernière prestation. Alors, on peut dire que l'été est bel et bien arrivé. Alors, on va en profiter, on va s'amuser. Et justement, Alexandre Jodoin, qui a gagné un prix ce soir, va nous donner un avant-goût d'un air d'été, d'un air de vacances. Alors, au nom de toute l'organisation du Gala Visage d'art, je vous remercie de votre présence ce soir. On se dit à l'année prochaine pour la 10e édition, mais avant tout, vive l'été! Let's start living dangerously. Dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up on this.
to me. Go.